La Turquie a lancé une nouvelle offensive terrestre et aérienne transfrontalière contre des combattants kurdes dans le nord de l'Irak, annonce tôt ce lundi du ministre turc de la Défense. Cible visée par les avions de combat et l'artillerie turque, des infrastructures appartenant au Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, que la Turquie considère comme une organisation terroriste qui nuit à sa sécurité. Nous sommes déterminés à sauver notre noble nation du malheur, de la terreur qui frappe notre pays depuis 40 ans. Notre lutte se poursuivra jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé. Des troupes commando héliportées soutenues par des hélicoptères et des drones de combat ont aussi passé la frontière turco-irakienne. Information donnée, vidéo de l'intervention à l'appui par le ministère de Hulusi Akar. L'opération aurait été un succès total puisqu'Ankara affirme que des abris, des grottes, des tunnels et des dépôts de munitions ont été détruits.